Bonjour, bonsoir, toute fidèle branchée émission La Vie en DD. Son plaisir pour nous rentrer la caillou avec une nouvelle édition. Déjà nous connaît émission La Vie en DD, c'est espace créateur, peintre, poète, chanteur, monde qui dans cinéma côté yo vinn parler des créations artistiques. Émission La Vie en DD, c'est une expérience qui sorti dans une démarche côté depuis la nuit devant jour moun yo t'es toujours à faire la vie en existentiel. Il y a une façon pour ça bousquer bon sens la vie, de réfléchir sur tout ça qui a frappé porte existentiel. Voilà, depuis que la vie en DD, toujours un croisement, la frontière ralentit. Dans le croisement jeudi, on a présenté Inema Jeudi. Inema Jeudi, c'est écrivain poète haïtien qui fait dans la ville Jacques Mel. Inema Jeudi a publié divers recueils pour poèmes déjà. Là-dedans, il y a Crébobèche, 100 poèmes pour Castra, une pour Dambala, Médine Kay Voisin, Faille Propre, qui est le dernier texte qui se paraît dans l'édition Liplis aux États-Unis. Eh bien, jeudi, nous avons l'honneur pour nous vivre pour être Inema Jeudi dans un bouillon texte. On fait à qu'on qu'elle arrive. C'est la toute fille qui fait former, lave linge, fait toilette de bain, bien, toute la mariée qui a un palmarès, la propreté comme ça doit. Moi, prends un jour pour me grandir à condividal, cérémonie, gros kilote rouge, panne sous l'antirail, moi. Toute rivière prend pour modèle, chez les poules fait ça, le connaît, sous l'eau applaudit, chaque fois, babot souris dans pièce théâtre pour dire, la tête est sainte fouque. Oui, la tête est sainte fouque. Si vous pas jamais voyager nos machines temporelles ou pas jamais connaître si en dit encore Carlos tête l'espace tout le monde fait du cadenasser clé dans la mer. Ou pas jamais connaître moi même c'est chaque jour me voyager, me visiter chaque siècle séparément dans coutrelle différent. On va rêve bout de canson à compter pas l'eau, il y a chercher la géo tête en bas. Quel monde qui croit grâce à projection mathématique dans des ciels sont dans la mer solide. Moi me dit malais qui pend Dieu sous tête nous. Je fais un minuit, c'est copie midi, gaspillage l'encre. Rien pas étonné, je ne l'ai pas sans et quelques kilomètres profondeur dans la mer. Réparer Titanic, c'est pas objectif, pam. C'est ça qui fait un récit. Résumé, ziré, tout ça me senti dans le dessin soleil qui a couché. Geste toute femme qui a une règle, en plein même poème. L'innocence rideau dentelle. C'est miracle qu'on ribambelle, flèche ou blague qui fait pirouette, manger. Mais souris ou son caloge, pigeon pays. Il pas de jambe qu'on ait si la ligne te marassa, s'il te pousse pointe en bas corsage. Chérie, prends dans bras, ou portrait, ti bébé, ça passe vrim. Bat manger ou répondre moi dans bon, ou pas tant de brisant trop pour PVC. File langue. Te moue koule feite canel, fais mon tigrimas, fil la langue, pour pipiti ma kon emblème par la paradis. Tu le corps petit, leve robe ou nan tête ou kite moue la nuit, point d'ife. Leve robe ou nan tête ou kite moue, comment miel fait si haut. La Vie en DD, mission, c'est pour éduquer, informer et amuser. Une autre fois, nous saluons même qui a à peine branché l'émission La Vie en DD. Ça va dépendre de qui côté où il est. L'émission La Vie en DD est postée live sur la plateforme Tichèze Balakay, sur les réseaux sociaux. L'émission La Vie en DD est passée sur Radio Uni FM 102.7 publié en Haïti, Radio Bada FM dans Rouanamet. Radio Sony Saint-Ouen en Orlando, Radio Horizon 2000 en New Jersey. Eh bien, je dis en émission La Vie en DD, nous avons avec nous Rodney Bézil depuis la commune des Armes sous
département La Tibonite. Whitney Bézil, c'est écrivain poète, c'est en même temps opérateur culturel qui a un festival li, côté qu'il a initié depuis 2 ans, et sous nom festival Lago Livre. Eh bien, je dis, nous avons tout un honneur pour nous et pour aller faire un bas de bouche avec Whitney Bézil sous initiative si là. Nous avons ralenti. Bonsoir Whitney Bézil, nous connaissons ce principal et initiateur festival Lago Livre qui a frappé et qui gagne 2 ans depuis la frappé dans la commune des âmes. Eh bien, je dis, nous avons fonti parler de l'initiative si là sous vitrine émission La Vie Ondede. Bienvenue. Bonjour camarades, c'est un plaisir pour moi avec vous et pour répondre ensemble des questions que nous allons gagner pour nous garder ensemble. Alors, Lago Livre qui s'allie. Lago Livre, c'est une initiative que moi entreprends avec un paquet de camarades dans des âmes. C'est une façon non seulement pour nous promouvoir la littérature et ensuite tout pour nous intéresser pour nous tout pour nous lire. L'activité a commencé à prendre dans l'école où nous avons invité les élèves de l'école à venir lire et depuis décembre 2019. Nous venons vivre lire comme festival livre, c'est une façon pour gagner plus possibilités pour jeunes yo en dans communauté, surtout écoliers yo, créer un lien direct avec écrivain yo en façon yo même tout pour tirer modèle que yo même yo remé et ensuite vivre avec forme d'écriture que yo même yo ta remé orienter tête yo. En gros, on pense c'est comme ça la Gros Livre la lien était arrivé pour naissance. Décembre 2019. Mais festival Lago Livre lui-même, normalement, il est créé à partir de décembre 2022. Mais proposition pour créer modèle ça, by jeunesse, dans la commune des âmes, c'est qui est ce qu'il y avait comme équipe, comme monde qui a boosté ça avant. Et évidemment, oui. Parce que je n'ai pas fait tout le travail pour moi. L'équipe qui a mené l'activité avec moi, qui est la deuxième édition du Festival Lago Livre, pour nous citer, nous avons avec nous Hippolyte Grégory, nous avons Nerly Christophe, et nous avons Cléopha Weekenday, nous avons Julienville Softarina, nous gagné au Vilma Noyé, Kerlange au Vilma. Et pour me citer ça seulement, c'est toute une équipe qui travaille ensemble et pour nous capables réaliser la deuxième édition Festival Lago Livre. Ok, mais pour deuxième édition Festival Lago Livre, c'est qui personnalité ou gagné comme invité d'honneur pour Ania? Et puis, combien de poètes cap là, combien d'écrivains cap sorti dans diverses villes dans le pays? Capla. Ça normal? Bon, Anissa, invité de nous, c'est Jean-Marc Fleurimont, qui est auteur de L'amour tête nègre. Même Jean, nous avons essayé pour gagner un pile écrivain en œuvre qui présente avec nous, mais nous avons supposé qu'il y a 15 d'écrivains. Mais via avec conjoncture, problème et sécurité, nous gagnons dans ça qui confirme nous qu'à présent, il y a 10 sacrété, il y a suivre comment la situation pays à pied. Si ça n'a pas allé plus mal, parce que j'en ai prévu là, nous avons 15 d'écrivains. Et ensuite, pour les gens qui sont présents, nous avons invité, ça n'a pas qu'à dire quantité de monde, parce que nous avons invité un peu de monde et qui sont présents. En d'activité ça avec nous Anissa.
Mais l'autre bagaille, depuis création festival La Goulive pour arriver dans deuxième édition, est-ce qu'on sentit communauté à embrasser l'initiative là et qui feedback positif ou même ou joindre comme initiateur événement si là dans la ville des âmes. Pour moi, bon oui, communauté a accueilli le projet ça, mais je dois dire, c'est le plus bel projet dans le cadre d'activité festival La Goulive. Parce que, premièrement, pour dire un projet réalisé, il faut que pour les gens soit ou fixé yo, ou bien catégorie moun ou fixé yo que yo participé, c'est l'école yo. Voilà, l'année dernière yo té participé, yo té mobilisé, té gen conférence qui té faite année ça encore. Depuis l'heure nous lancer activité a, on capable di l'école nous cible yo, yo tout intéressé pour yo participer dans conférence yo et puis tout écrivain yo. Ça nous capable di comme feedback positif que nous jeunes activité, c'est parce que nous jeunes ensemble de jeunes qui étaient participés soit dans atelier d'écriture soit dans conférence jodi a commencé à orienter tête yo vers la lecture soit gain moi même personnellement les conjointement qu'on a posé une question de tel livre qui ça me passait de lui ou bien de tel auteur et yo même tout yo qu'on demandé yo besoin livre tout pour yo lire. Mais auparavant pas de qu'on gain ça yo. Mais je dois dire, dans ce sens, non seulement la communauté est prête pour accueillir la deuxième édition, et ensuite, je sens qu'il y a une manifestation, une volonté pour participer dans la deuxième édition du Festival La Goulive qui a fait année ça. Ou même qui a à peine branché, pas oublier de suivre l'émission La Vie en Aide. L'émission La Vie en Aide est passée sur Radio UFM, postée live sur plateforme Tchès Balakai, Radio Bada FM dans Wanamet, Radio Sony 103 dans Orlando, Radio Horizon 2000 dans New Jersey. Et bien, aujourd'hui, nous avons avec nous, depuis dans la ville des âmes, sous le département de la Tibonite, Whitney Bézil, qui est écrivain poète et puis opérateur culturel. Mais aujourd'hui, on a parlé sous deuxième édition Festival La Goulive, qui pourra le dérouler là, sorti premier pour arriver 3 décembre. Mais en tant qu'écrivain, nous connaissons tous ces gens qui écrivent. Ouais, donc nous connaissons comme écrivain. Mais est-ce qu'on peut parler nous des principales œuvres qui sont disponibles dans le festival ça? Et en même temps, tout, c'est qui dans les publications vous fait pour aller? Alors, premièrement, pour me parler de œuvres, moi, j'ai deux livres qui est publié déjà. Une, c'est Étiquette d'éclair qui était publié décembre 2019. Et puis, nous avons Syllabe l'Arc-en-Ciel qui est publié année ça, qui c'est septembre 2023. Oui, il y a exposé dans le festival là et puis tout, il y a en signature. Tout. Ça veut dire. Et m'pako un livre qui est en cours même pas pour annoncer au Gonia, mais deux livres ça aussi, c'est deux livres moi penser si on monde t'a essayé ou intéressé ou pour acheter ou t'a voulu rentrer la carreau avec lui, deux livres ça il y a disponible dans cadre festival là et m'a prêt pour signer pour nous. Mais poète comme écrivain qui habite espace social, c'est comme on vit dernier moment ça dans pays là, est-ce que instabilité ça a pas impacté travail ou yo initiative ou yo? Oui, ça touche moi en tant que écrivain. Pas gain pièce monde cap d'accord pour dans un pays pour pas circuler. Et surtout par exemple si on écrivain c'est de écriture la vive là, il est en blocage. Deux, les gens qui viennent garder les ouais toute crème payant, c'est parti à parti qui est payant, ça touche. Trois, les qui viennent les ouais les non sec fermé, soit c'est parce que le café n'est pas qu'à voyager plus loin, même non travail pas les limiter.
Par exemple, s'il t'a gagné une zone pour la l'explorer, il est pas capable. Bon, c'est problème insécurité pays, hein? C'est problème tout haïtien, c'est problème tout le monde, mais en gros, c'est problème écrivain autour. Parce que écrivain en soi, ils vivent et ils reproduisent tout, c'est à chaque fois ils voyagent. Retenant un petit espace et puis de temps en temps c'est une mauvaise nouvelle ou même tout à poser question sous tes portes. Est-ce que si ou t'as rien pour déplacer, on pense que ou ka victime tout. On pense nan même problème insécurité ça tout. Li vin jouer tout sur la Golive là tout parce que quantité écrivain ou bien foule nous t'a dû joindre nan, nous pas ka joindre là dans n'importe condition ou toucher. Pas problème insécurité pays a et on continue réfléchir toujours pour dire comme ça bon et après combien de temps nous même nous pas libre on va dire non seulement nous pas dire nous marié mais nous emprisonné nous pas qu'on après combien de temps que nous pas libre vraiment vrai mais ça moralement les toucher tout le monde et personnellement moi même tout les toucher toujours dans l'idée pour porter un bagage tout neuf dans ville là mais pour année ça pour édition ça c'est combien jours festival l'a duré et en plus c'est qui ça n'a gagné tout en termes de programmation culturelle qui pour embellir bagage là ouais normalement festival a duré 2 jours et c'est 1er 2 décembre en thème de menu ou bien programmation, on a bien exposition et ensuite on a bien atelier, lecture, atelier d'écriture et puis tout on a bien atelier de théâtre. Et dans le champ à nous, c'est ça lié. Après ça, pour l'autre et exposition qu'on a bien, pour partie artisanale, on a bien un peu de bagages qu'on a exposé et ensuite et l'autre chose n'a bien exposition n'a bien tout bagarre à manger tout qu'a bien par exemple n'a bien du à la l'eau c'est une façon pour nous toujours kembe et culture nous en vie tout et tchaka en gros bah c'est ça qu'a gagné en terme de programmation mais puis gros champ activité hein, c'est atelier de lecture atelier d'écriture atelier de théâtre et conférence qui a bien tout et écrivain qui a présent avec nous et puis tout on a bien on visite pour nous faire sur en zone dans Christan qui a en cascade la dernière qui est le bassin Bourique nous mettez li dans programmation nous et pour nous ta gagner l'autre monde qui vient pour y aller visiter zone ça qui est vraiment belle et qui intéresser les yeux pour regarder. Nous connaissons gain deux belles recueils poèmes qui a saturé mon yo. Alors, on pas connaît dans des recueils poèmes ça yo, à qui poème ou capable quitter public là ou bien est-ce que vous avez une pensée spéciale pour communauté haïtienne, pour population, pour pays là. En fait, oui. N'a dit grand public la merci déjà parce que vous êtes présent avec nous dans la deuxième édition festival La Bolive et ensuite nous allons quitter avec un petit morceau poésie qui va le bâtir comme ça. Petit morceau poésie ça il sorti dans syllabe la cancel qui relie trip faiblesse cagé. Poésie a parti comme ça. N'a manqué bitaille, belle vie glissée. Discours, chèque, n'a pris qui choy. Caravane, boîte et vévin, changement béé chien. Capitale, république, magouillé. Port-au-Prince, brigandaï, lagon sensi. N'a gagué l'angélis. Lampadaire passé à la plume, la ligne prend raison. C'est raison. Pose étoile coupe MG chaque les fait toilette des balles c'est notre loger la cancel
caravane te noyé. Deuxième texte. Chérie, chaque fois nous mari fâché, va engayer promesse nous. Pour te aller bien loin nous. Ou ferme envie teye coûter grida gaz la ramonda. Chérie, moi dit pour mèche nous graisser. Timoso nous perdit pour rêver. C'est avec deux textes à yo moi qui te grand public là qui sorti dans syllabe la canciel. Passer n'a croiser dans un prochain rendez-vous. Eh bien, nous effectivement dans la dernière ligne droite émission. Eh bien, nous parlons quitter dans un bouillon qui dans un bouillon texte avec poète Nema Judy, comme une poète qui vraiment fait un travail haute portée dans le développement poésie littérative à Boïcite, puisque son poète tout en communauté artistique là. Tout le monde qui est dans le secteur qui tire là, il met le chapeau par devant. Voilà, nous avons quitté pour vivre une autre fois pour être animé jeudi dans un bouillon texte. Fuite. Qui dit boule à zéro, de neige en délire, lune jonglée par l'enfance et la rage de vie explosée dit ma tête. Broie ta image amorphe, pressée, brouillant les âges et les regards curieux. Entre rêve et oreiller, elle roule tantôt vers l'immortel but cauchemar que je suis. Ce détail échappé à la naissance du sceau, bordel bavant des vers drogués draguant l'existence. Je m'étonne moi-même, rivière en crue, ciel branlant sous mille poids d'aventure. Je me complais à être cœur d'éponge, imbibé de plaisir, de sans-pensant, orphelin de cris. Tant pis si le temps s'absente et meurt à ma place. Tant pis si le temps s'absente, meurt à ma place. Faute de pluie, mesdames et messieurs, moi je pleure sur le monde pour que la terre, fille légitime de l'œuf, pond de sa beauté dorénavant liquide, dans l'esprit d'une chanson ne grimpant pas la honte. Ma douleur a des racines profondes, côtoyant le sel des sourires opaques, enfuis dans chaque goutte de soie. Cette parole, mesdames et messieurs, est en route vers tout sexe en annexe au futur. Voilà, nous t'es content le fait que vous t'es à bord voyage avec nous, puisque c'est un voyage comme ça. Nous sortis depuis notre département la Tibonite, dans la commune des âmes, et puis pour nous passer par Inch, pour nous virer tomber Port-au-Prince. Voilà, nous t'es content et pas oublier émission La Vie en DD, c'est émission Pau, c'est Espace où, ou même qui c'est créateur. Ou même tout qui ont une production soit dans le domaine et artisanal ou fait que ou t'as un même public là connaît soit fait et bien éviter une émission La Vie en DD de là pour vous sans ou même expérience ça les pas à côté du gant pas oublier ou c'est j'aurai émission La Vie en DD partager émission booster partager sur toute plateforme nous sur tout réseau nous gagnons. Voilà, nous cassons rendez-vous pour une autre édition, La Vie en DD, tout neuf.